Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une sorte de petit tuto pour vous montrer comment est-ce que je trouve mes fameuses étiquettes ou pancartes que je colle sur chaque box avec le nom de chaque cheval et leur ration. Donc vous voyez que j'ai ouvert une page Google, je m'excuse un peu s'il y a du bruit ou si la caméra bouge, mais c'est mon chien Odin qui fait le bêta là par terre, il fait des bêtises. Donc j'ai tapé dans Google, vous voyez, pancarte avec nom chevaux pour le box. Il suffit d'écrire juste pancarte, nom chevaux, box. Et donc vous retrouvez certaines étiquettes qui sont plutôt pas mal, bien sûr. Donc vous avez celle-ci qu'on retrouve souvent sur les portes des vrais chevaux. Simplement, je vous déconseille de prendre celle-là, puisqu'en fait, il faut écrire normalement à la craie, donc en blanc. Soit vous avez un stylo blanc, et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser celle-ci. Mais moi, comme je n'en ai pas, je prends souvent ces étiquettes-là, vous voyez, avec des petits chevaux dans l'angle, enfin une petite image de cheval. Donc en fait, on écrit le nom du cheval ici. Et ensuite, ici, c'est marqué matin, midi et soir pour la quantité de granulés qu'il faut donner. Donc, moi, je vais choisir celui-là. Vous voyez, celui qui était à droite. Ensuite, du coup, je vais le copier-coller. Donc, copier l'image. Ensuite, j'avais ouvert à l'avance une page Word. Microsoft Word, et je colle mon image si ça veut bien fonctionner. Donc voici l'image, j'ai eu un petit peu du mal, excusez-moi, donc j'ai coupé la vidéo. Donc vous voyez évidemment qu'elle est beaucoup trop grande pour l'instant, cette étiquette. Donc moi ce que je vous conseille c'est de cliquer avec le bouton droit de la souris dessus, et donc sur Word, vous avez ici la taille de l'image. Simplement, il vaut mieux la rogner d'abord, c'est-à-dire que vous voyez que entre ici et là, il y a un petit peu de blanc. Donc en fait, ici, la longueur est calculée de ce point-là à ce point-là, alors que nous, on veut seulement l'étiquette. Donc je vous montre comment faire au cas où vous ne savez pas. Donc il faut cliquer sur l'image. Ici, vous avez le petit outil, outil image qui apparaît. Et juste là, vous avez rogné. Donc, on clique sur rogner et là vous avez donc des petits marqueurs noirs qui apparaissent et vous pouvez les déplacer jusqu'à la ligne de la pancarte. Hop, et ensuite cliquez à côté de l'image. Donc cette fois-ci, si vous recliquez sur l'image avec le bouton droit de votre souris, vous avez à nouveau la taille de l'image, mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite. Donc moi je vous conseille de baisser la taille de l'image jusqu'à ce que elle ne fasse que j'avais dit je crois 2 cm de large, enfin de longueur. Voilà, donc 2 cm de longueur, et là elle ferait environ 1,27 cm de haut. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à copier l'image et la coller le nombre de fois que vous voulez imprimer votre étiquette. Donc là, moi, j'en ai plus du tout, et comme j'en utilise pas mal, je vais en faire une page entière. Hop. Voilà, une page complète d'étiquette pour moi. Et maintenant, on n'a plus qu'à imprimer. Donc moi j'ai quasiment plus d'encre à mon imprimante, donc j'espère qu'on verra quand même bien les étiquettes. J'ai l'impression qu'elles sortent en noir et blanc. C'est pas très grave, j'avais pas forcément besoin qu'il y ait de la couleur. Et donc ensuite, évidemment, je me munis d'une paire de ciseaux et il faut découper les étiquettes. Donc là moi j'en ai besoin de 12 exactement, donc je vais pas toutes les découper. Parce que sinon, je me connais, je risque de les perdre. Donc, je vais en découper seulement 12. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'en aurai juste une de trop.
Et donc maintenant que j'ai tout découpé, moi dans mon centre équestre, j'ai fait un code couleur. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça au départ, mais du coup maintenant je le fais partout. En fait, j'écris à chaque fois la première lettre du cheval en rouge et le reste du prénom en noir. Donc là, en fait, je fais les étiquettes pour la nouvelle écurie que j'ai fabriquée autour du manège. Donc, j'ai d'abord cocktail. Et ensuite, en dessous, alors moi malheureusement, comme j'avais plus beaucoup d'encre, on ne peut pas très bien lire, mais c'est écrit matin, midi et soir pour la quantité de... pour la quantité de granulés qu'on donne au cheval. Donc cocktail, c'est un cheval de taille moyenne. Donc je lui donne 2 litres le matin, rien le midi et 2 litres le soir. Et ensuite je fais pareil pour tous les autres chevaux que j'ai installés dans cette nouvelle écurie. Voilà, donc j'ai terminé d'écrire les prénoms, donc maintenant je prends un tube de colle et je mets un petit peu derrière chaque étiquette que je colle. Alors malheureusement vous n'allez pas voir là pour la première, je vais vous montrer pour les suivantes puisque j'ai pris au hasard et je suis tombée sur le cheval qui est complètement à droite. Donc là par exemple j'ai cocktail, il est tout au fond. Voilà, attention de bien coller droit. Et voilà, j'espère que ce mini tuto vous aura plu, que vous avez aimé voir comment est-ce que je faisais ces étiquettes. Et j'espère surtout que ça vous aura aidé à faire les vôtres. N'hésitez pas à m'envoyer par mail des photos de vos box avec justement ces fameuses étiquettes. Je vous laisse toujours mon adresse en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.